Du coup, Kang, tu m'as répondu niveau 200, t'as 4500 de cote. Ouais, je pense qu'on peut se croiser en V1. Alors, avec moi, un Eka 157, un Zval 179. Je vais remplacer la Freetech par un Ebène. Après, je suis sur un mode Amro, hein. Je suis pas là pour placer les Ebènes. Je vais mettre un pourpre. Ouais, vu la tronche de mes alliés, en face, ce sera la même chose, je pense. Donc, j'ai pas besoin de mettre une Freetech. On va pas exagérer là-dessus, le chat. En plus, on a un Zobal pour shielder. Ça va bien se passer. Allez, ce genre de combat, en vrai, c'est les plus marrants. Parce que vraiment, ils font n'importe quoi en face. Avec moi aussi, ils vont faire n'importe quoi. Alors lui, il y a une panoplie Obvi. Ça commence à se faire rare, hein, les panneaux Obvi. Bon. Ah, par contre. J'aurais peut-être dû mettre un nébuleux. Ouji 188, Sadis 194. Putain, mais... Oh, nous, moyenne des levels 170. Eux, ils ont un 188, un 200. Et le Sadi a des résistances. Suicide, il a dit. On a tous 3000 de vie. Mais eux aussi, ils ont 3000 de vie. Là-dessus, c'est pareil. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je me suis déjà chance. Ouais, je me suis déjà chance. Les remblés à moins 300 crit. Il a combien de res, lui? 30%. Bon, remblé, clairement, c'est pas le sort qui fait plus de dégâts. Hein. 3-3 à 22h. Ouais, 22h, Elise. Des fois, en 3-3, je tombe contre 3 pre-tech. Et avec un niveau 160 dans une équipe, oui, ça arrive, bien sûr. Ouais, mais là, on n'a pas de bol, hein. Ils ont des restes quand même. Ils ont des restes. Ils sont certainement en match de placement comme moi. Et lui, il joue quel élément? 179? Je sais pas trop lire les éléments à ce level. Hein. C'est bon, je mange use. Ok, Zoc, c'est... Hyper intéressant ce que tu dis, c'est cool. Tu nous diras du coup ce que tu manges tout à l'heure. Par contre, le Yop, c'est quoi son mode fourraise là? Vous voulez qu'on check? Oui. On peut regarder son stuff. Meriana, oh putain, elle a caché son stuff, sérieusement. Putain, les joueurs Gultav commencent à me saouler. Hein. Oh, je vais le ruiner, Luigi. Il y a pas Molos. Je vais le défoncer. Ah ouais, 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 ouais. Très bien. Il reste 1100 HP sur l'Ouginac. L'autre, il le vita. Donc 1600 HP sur l'Ougi. A voir ce qui est capable de faire le Zobal, mais encore une fois, il est 179, plus il y a des raises. Je m'attends pas à grand-chose de sa part. Hein. Donc il a quoi? Full Strigid, cram-cram. Devant lui, en général, c'est quoi son stuff? Tu veux qu'on brise la glace comme ça? Bon, il a un chevelu. Non, mais je pense que c'est tout simple. C'est chevelu, casque drag. Chevelu, casque drag, 12%. Quoique, il y a 15% neutre. Bon, du coup, full tour du Zobal.
À moins 600. Ouais. Bah, je vais devoir. Je pense que je vais devoir achever l'Ouginac, hein. Il est quel? Ah, il est Dopu. Ok, très bien. Du coup, il va peut-être le finir parce que ça a beaucoup de dégâts, ça. Ouais. Allez, fais un effort. Fais un effort, Fuen. Bon, c'est bien. Quand même, il y a bien Rox. 400 HP. Il était sympa ce combat ou pas? Ah vraiment, l'Ouginac avec ses 4% neutre. C'était cool. Peut-être son casque drag à 0% neutre. Bon, en attendant, le Sadi pose son jeu. Tout va bien, tout va bien. Et quel élément ça dit 194? On verra, on verra. Folle de merde. Crit. Ah, excellent. J'ai pas envie qu'il me bonde dessus. C'est rare que j'ai un pull avec des cordons, donc je m'amuse avec le chat. Pas de panique. Ok, bon sur les cas. Retiens son nom pour lundi prochain. Ouais, si lui il oublie pas sa réponse secrète, ça peut le faire, hein. Carbana. Alors, queres para la guerra contra nosotros los hispanos, to queremos mucho us, ti epoyamos con nuestra okra. Bon, chat, faites-moi une traduction. Je vous mets le message. Ah, c'est un Eka Diesel niveau 150. Donc je pense que ça parle d'Ekra. Puisque j'ai vu Okra en fait. Alors du coup, le Zobal joue juste avant l'Eka. Moi j'ai envie de focus le Sadi quand même. Hein. Ça vous tente pas le Sadi? Ok, le Sadi a posé son jeu. Qu'est-ce qu'il va faire, le chat? Est-ce qu'il va continuer à poser son jeu? Il continue à poser son jeu. Très bien. Ah, j'avais un doute là-dessus. Ok, ok, ok. Il est en retour précis, lui? Retour précis. Tellement, mais tellement de rocks, mais what? Mais what the fuck? Bon, 1100 HP sur le Sadi. Je pense, le chat, que l'Enu, là, il a complètement carré. Hein. Ça va, ça fait le taf. Parce que le mode terre classique, Eudin,
Dans ces conditions-là, bon, il faut du punch, quoi. Si on est seul THL, on va dire. Alors, that's the translate. Tu veux bien arrêter la guerre contre nous, les Hispaniques? On t'aime beaucoup, Use. On te supporte avec nos okras. Poulache qui crie, t'as moins 500. Ouais. Mode poulache. On fera des modes poulache niveau 200, je pense. Le seuil me fume, il sert littéralement à rien. Fais pas le mec, c'est du 3v2 là. Bon, ça va, le chat, calmos. Si Ujnak avait survécu au moins un tour de plus, on était dans la merde. Salut Uz, dis donc qu'il est beau ton suite, on peut l'avoir ouf. Ouais, j'en parle tout à l'heure. Mais il y a tellement de raise, lui. Pff. L'excès, quoi. 50% terre, bah on le tue en dernier. Voilà. Je suis en vie. Oui, mais toute ta team est morte. Oui, mais je suis en vie. Oui, mais comment dire, ton but, c'est de taper, pas de rester sur un mode 50% raise. Bon, je vais répondre à l'EK espagnol tout à l'heure. Il a l'air si doux et confortable. On pourrait croire que tu parles de moi là. Tu parles du pull? Ok. Ce serait fou de le trouver en ligne avec une réduction de 5% grâce au code USE. Ouais. Ce serait un truc de malade. Bon, bien joué à eux. Bien joué à ma team surtout. Truc de ouf. Alors, je vais répondre à l'EK espagnol. Parce que je pense qu'il y a méprise. Et c'est pas le but. Bien, alors. J'aime beaucoup la commu espagnole. On rit parfois des stuff hispaniques. Mais ça se fait dans la bonne humeur. Viva Espana.